السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من اتقوا الله وقولوا قولا سددكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes ce soir mercredi 12 d'Oul-Hijja 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 10 décembre 2008 bi-idhnillahi azza wa jal. Nous sommes toujours avec le livre La personnalité de la musulmane. Nous sommes inshallah ta'ala au 45e cours. La fois passée, on s'était arrêté dans le sous-chapitre Elle ne se comporte pas en homme. La musulmane ne se comporte pas en homme. Et on avait montré qu'il était interdit, vraiment interdit, masculinisé. Et la même chose pour l'homme. Il lui est interdit de se féminiser. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, 46e, elle respecte les règles de bienséance islamique. 46e, elle respecte les règles de bienséance islamique. Et dans ce chapitre, petit a, voilà le titre d'aujourd'hui, petit a, règles relatives au boire et au manger. Je répète, 46e, elle respecte les règles de bienséance islamique. Petit a, règles relatives au boire et au manger. J'attends, inshallah ta'ala, que vous écriviez. Vous pouvez écrire seulement le boire et au manger. Règles relatives au boire et au manger. Barakallahu fik. J'attends maintenant sur le InSpeak que ça s'écrive bi-idhnillah. Règles relatives au boire et au manger. Jazakumullahu khair. La musulmane avisée se distingue par l'observance scrupuleuse qu'elle accorde aux règles de bienséance relatives au boire et au manger. Il suffit de constater sa manière de se mettre à table ou sa façon de manger pour savoir qu'il s'agit d'une femme qui s'applique à se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette pratique humaine. Parmi les diverses règles relatives au boire et au manger, nous en citerons trois qui sont essentielles. Premièrement, la musulmane, naam, celle qui suit la sunna, la salafia, elle entame son repas en évoquant le nom d'Allah Azza wa Jal. Elle mange en se servant de sa main droite. Naam. Donc, elle entame son repas en disant quoi? En disant Bismillah. Ensuite quoi? Elle mange en se servant de sa main droite. Juste ici une petite remarque. Le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, quand on commence à manger, ce n'est pas de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais c'est de dire Bismillah tout court. On ne peut pas ajouter une chose que le prophète alayhi sallam n'a pas ajouté. Quelqu'un va dire ça rentre dans dhikr Allah, ça rentre. On dit naam, ça rentre, mais suffis-toi et contente-toi de ce qu'a fait la fille. Naam. Il disait seulement Bismillah, dis Bismillah. N'ajoute pas Rahman Rahim, sinon d'autres vont ajouter Malik Yawm Din et d'autres vont lire la Fatiha. Donc, d'autres vont lire toute la sourate. Dis seulement Bismillah. Taïb. Elle entame son repas en évoquant le nom d'Allah. Elle mange en se servant de sa main droite et en entamant la partie de l'assiette qui se trouve
de son côté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: évoque le nom d'Allah, puis mange avec ta main droite de la partie de l'assiette qui se trouve de ton côté. Je répète, le messager d'Allah a dit: évoque le nom d'Allah, puis mange avec ta main droite et de la partie de l'assiette qui se trouve de ton côté. Hadith rapporté par Bukhari. Si toutefois, elle oublie d'évoquer le nom d'Allah Azzawajal avant d'entamer son repas, elle peut se rattraper en disant au nom d'Allah au commencement et à la fin de ce repas. Je répète, si toutefois elle oublie d'évoquer le nom d'Allah, de dire Bismillah avant d'entamer son repas, elle peut se rattraper en disant en plein milieu ou juste avant de finir, elle est toujours en train de mâcher et c'est maintenant qu'elle s'est souvenue. Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Bismillahi, yani au nom d'Allah, au commencement et à la fin. Bismillahi, awwalahu wa akhirahu. D'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qu'Allah azza wa jalla agréé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous entame son repas, qu'il évoque le nom d'Allah, exalté soit-il. Si toutefois il oublie de l'évoquer au début du repas, qu'il dise alors au nom d'Allah au commencement et à la fin, c'est-à-dire à la fin de ce repas. Bismillahi awwaluhu wa akhirah. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et aussi Tirmidhi qui le juge apprécié atteignant le degré d'authentique. Hassan Sahih. Cheikh Al-Albani Rahmo a dit hadith sahih. Ici, je fais une remarque. Qu'il y a trois sortes, quand on oublie, il y a trois sortes de doua à dire. Ou bien on dit, comme c'est cité ici dans le hadith, Bismillah, awwalahu wa akhirah. Ou bien on dit, Bismillahi, ala awwalihi wa akhirah. Ou bien on dit, Bismillahi, fi awwalihi wa akhirah. Je répète, il y a trois sortes. On peut dire, Bismillah. Awwalahu. Est-ce que vous m'entendez dans l'inspi? Qu'est-ce que vous m'entendez? Il n'y avait pas de micro, je crois. Est-ce que vous m'entendez dans l'inspi? Alhamdoulilah. Je crois que ça s'est coupé, il n'y avait pas de micro. Je dis, si quelqu'un se rappelle, Naam se rappelle qu'il n'avait pas dit Bismillah, alors dès qu'il se rappelle, il dit Bismillah, Awwalah wa Akhirah. Ou bien il peut dire Bismillah, fi awwalihi wa akhirih, ou bien il peut dire Bismillah ala awwalihi wa akhirih. Ces trois versions existent dans des hadiths authentiques. Là, je fais une petite remarque. C'est quoi? C'est que certains, ou là, beaucoup de musulmans, se basent sur un hadith qui n'est pas authentique et qui a dit que si quelqu'un se rappelle qu'il n'a pas dit Bismillah quand il mangeait, alors qu'il le dise, jusqu'ici le hadith est authentique. Mais ce qui n'est pas authentique, c'est ce qui va suivre. Ils disent qu'il le dise, car s'il le dit, alors le shaitan va vomir ce qu'il a mangé. Alors le shaitan va vomir ce qu'il a mangé, n'est pas un hadith authentique. Comme ça, si on entend quelqu'un dire cette phrase, on le corrige avec sagesse et hikmah. Et avec science, on lui dit, yani ce hadith est faible, bi'idhillah azza wa jal. Mais ce qui est le hadith authentique, c'est de, si on se rappelle, on dit Bismillah, awwalahu wa akhirah. Deuxièmement, la musulmane qui observe les règles islam, manger et boire, car cela est recommandé, tout comme c'est un acte condamnable que de lui substituer la main gauche dans cette circonstance. Les hadiths sont clairs et explicites à ce sujet. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite, et quand il boit, qu'il boive avec sa main droite, car le démon, shaitan, mange et boit
avec la main gauche. Hadith rapporté par Muslim. Je répète, le messager d'Allah a dit, quand l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite. Et quand il boit, qu'il boive avec sa main droite. Car le démon, le shaitan, mange et boit avec la main gauche. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'un ne doit pas avec sa main gauche, car c'est en se servant de cette main que le démon mange et boit. Hadith rapporté par Muslim. Je répète, que l'un d'entre vous ne mange pas avec sa main gauche et qu'il ne boive pas avec sa main gauche, car c'est en se servant de cette main que le démon mange et boit. Nafi' radiallahu ta'ala anhu ajouté à cette variante, et qu'il ne s'en serve pas pour recevoir ou donner. Et qu'il ne s'en serve pas pour recevoir ou donner. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accordait sa préférence à la main droite à propos de tout et recommandait à ses compagnons de l'imiter. Quand il remarquait une personne se servir de sa main gauche pour manger, il le lui reprochait et l'exhortait de la main droite. Si, par orgueil, la personne s'obstinait de la réprimander sévèrement au point d'invoquer Allah Azza wa Jalla contre elle. Muslim rapporte que Salama ibn al-Aqwa radiyallahu ta'ala anhu a dit à un homme qui mangeait en se servant de sa main gauche en sa présence, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mange avec ta main droite. Je ne peux pas, répondit l'homme. Le messager d'Allah lui dit alors, que tu ne puisses jamais t'en servir. Il a fait une doua contre lui. Inch'Allah, que tu ne puisses jamais t'en servir. Puis il dit, seul l'orgueil l'en a empêché. Depuis, ajoute Salama radiallahu ta'ala anhu, il n'a plus pu s'en servir. Il n'a plus jamais pu s'en servir de sa main droite. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu maintenant, je fais une remarque ici, quand il a dit à propos de tout, je dis, à propos de tout ce qui est noble et humble. Sinon, il se servait de la main gauche pour les autres choses, comme par exemple pour se laver dans les toilettes et pour les choses qui ressemblent à cette chose. Donc la main droite, on la laisse pour les meilleures choses, les bonnes choses, les choses nobles, les choses humbles, et la main gauche pour les autres choses. Bukhari, Muslim et Imam Malik, alayhi rahmatullah, afwan, Bukhari, Muslim et Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhu, rapportent que Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, on apporte au message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du lait coupé d'eau de pluie. Il avait sur sa droite, c'est le messager d'Allah, il avait sur sa droite un bédouin. Il but alors, puis il passa le reste au bédouin qui était à sa gauche. On commence par celui qui est à droite, puis celui qui est sur sa droite, et ainsi de suite. Hadith authentique, voir Sharh Sunnah, volume 11, page 385. Vous remarquez ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le bédouin, il lui a servi de l'eau car il était à sa droite et il a délaissé Abu Bakr Siddiq qui était à sa gauche, alors que Abu Bakr Siddiq a un rang beaucoup beaucoup plus élevé que le bédouin. Mais on ne peut pas contredire la sunna. On a dit qu'on commence par la droite, même si c'est un bédouin ou un enfant. Al-Muhim, Moussaad, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, une fois, on offrit à boire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont bu, puis, comme il y avait à sa droite un jeune homme, et à sa gauche, des vieillards, il dit au jeune homme, me permets-tu de donner d'abord à ces vieillards? Non, répondit-il, par Allah,
je ne céderai à personne ma part qui vient de toi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam remit la coupe entre les mains du jeune homme. Voir Sharh Sunnah, volume 11, page 386. Ah, une seconde, Inch'Allah. Ces textes, et bien la priorité à la droite, à propos de tout, est une importante règle de bienséance islamique, et que le vrai musulman doit s'évertuer à la respecter sans négligence ni permissivité. Tels sont les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est conformément à ces commandements que les compagnons et les épigones agissaient. Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, à titre d'exemple, accordait une importance extrême à cette question, c'est-à-dire le fait de manger avec la main droite, et ne manifestait aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui la négligeaient. On rapporte à ce sujet qu'une fois, alors qu'il faisait ses tournées habituelles pour s'assurer des conditions de vie de ses sujets et prendre connaissance de leurs préoccupations, il remarqua qu'un homme se servait de sa main gauche pour manger. Il lui dit alors, ô serviteur d'Allah, ya Abdallah, mange avec ta main droite. Peu de temps après, il revit le même homme en train de manger avec la main gauche. Mange avec ta main droite. En lui donnant, cette fois, un léger coup de cravache. Plus tard, il vit le même homme pour la troisième fois en train de manger avec la main gauche. Il lui donna encore une fois un léger coup de cravache et lui dit sur un ton grave, ô serviteur d'Allah, mange avec ta main droite. Alors l'homme lui répondit, ô commandeur, ma droite est occupée. Qu'est-ce qui l'occupe? Lui demanda Omar. Le jour de Mouta, répondit l'homme. C'est-à-dire que je n'ai pas de main droite. Elle a été coupée lors d'une guerre sainte, lors de Mouta. En réaction à cette réponse, Omar radiallahu ta'ala anhu fondit à l'homme et le consola en lui demandant s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui ou l'aidait à faire ses ablutions. Il ordonna ensuite qu'on le réhabilite et qu'on prenne soin de lui. Les leçons de morale à tirer de ce récit sont diverses, mais ce qui nous intéresse ici dans ce contexte, c'est l'intérêt affirmé par Omar à un détail relatif à la conduite individuelle pour confirmer à l'ensemble des croyants l'importance de tout ce qui distingue la personnalité du musulman. Le fait que Omar ait insisté à appliquer ce détail devrait donc nous inciter à l'observer et à ne pas le négliger. Non. Ce récit devrait être destiné essentiellement à certaines musulmanes qui ont adopté l'art de dresser la table à l'occidental. Une chose pareille de la sunna, comment faisait le messager d'Allah, comment qu'il apprenait aux gens, comment manger, comment s'asseoir, comment s'habiller, comment parler, comment ceci, comment dormir. Tous ceux qui ne sont pas salafis vont dire à quoi ça nous sert ces choses. Les gens sont en train d'être tués à Palestine, les autres sont en train d'être égorgés en Irak, les juifs ont fait ceci, ont fait cela. Non, c'est comme ça qu'ils chantent toujours la même chanson. Non. Alors qu'ils sont en train de perdre leur temps dans le vide, ni ils partent au djihad, ni ils apprennent la sunna. Nous on dit, Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna li nahtadi. Il dit si ce récit devrait être destiné essentiellement à certaines musulmanes qui ont adopté l'art de dresser la table à l'occidental. Les consignes protocolaires de ce système exigent qu'on place la fourchette à gauche de l'assiette et le couteau à droite de l'assiette. Ainsi, on se trouve obligé de se servir de la main gauche pour manger la viande ou tout autre aliment. Les femmes auxquelles nous faisions allusion respectent scrupuleusement cette disposition de la table et s'écartent par conséquent des consignes de leur religion. Elles ne prennent même pas la peine d'inverser la disposition des couverts, car cela est susceptible de trahir les règles d'étiquette occidentale.
Cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui reflète la défaite morale de certaines musulmanes et leur passivité servile vis-à-vis de toutes les coutumes venant d'Occident. Au nom du modernisme, ces gens-là adoptent toute coutume importoire si elle est adaptable ou non à nos valeurs et à nos traditions islamiques. Je dis quoi? Je dis Allah al-Musta'an. Non, je dis Allah al-Musta'an. Pour sa part, la vraie musulmane est exempte de cette singerie aveugle et grotesque. De par son attachement à sa religion, elle respecte toutes les règles régissant le mode de vie du musulman. Elle les applique avec fierté et ne se soucie guère de la réaction réprobatrice des autres. Elle tient donc à se servir de sa main droite pour manger. Et elle n'éprouve aucune honte à rappeler cette règle à celle qui la néglige par omission ou par... Troisièmement, la musulmane qui observe les règles islamiques mange de la partie de l'assiette qui se trouve de son côté. Elle ne tend pas sa main de l'autre côté de l'assiette pour qu'elle mange du côté de celui qui est de celle qui est assise en face d'elle. Mais elle mange de quoi? De son côté. Notamment quand elle mange avec d'autres personnes dans la même assiette. On rapporte à ce sujet que Omar ibn Abi Salama radiallahu ta'ala anhu, le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit j'étais encore enfant et sous la tutelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme je mettais maladroitement ma main dans l'assiette pour manger, jeûneau, évoque le nom d'Allah, dis bismillah, puis mange avec ta main droite et de la partie de l'assiette qui se trouve de ton côté. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Le messager d'Allah, alayhi wa sallam, lui a appris trois choses. Dis bismillah avant de manger, première des choses. Mange avec ta main droite, deuxième des choses. Et mange de la partie de l'assiette qui se trouve de ton côté, troisième chose. Ensuite, il a dit ça à qui? Un genou, un petit garçon. Donc, ce n'est pas on laisse l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse 13 ans, 14 ans, ensuite on va lui apprendre ces choses. Il ne va plus les apprendre, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais on lui apprend ça dès qu'il commence à comprendre. À 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, dès qu'il commence à comprendre, à s'asseoir avec nous, à manger, on commence à lui dire, dis bismillah, mange avec ta droite. Ne mange pas de l'autre côté, mange du côté qui est devant toi. Mais maintenant, bien sûr, on imite les kofars et chacun mange dans son assiette. On ne mange pas comme autrefois dans une seule assiette en groupe. Pourquoi? Jama'a en groupe pour que la bénédiction d'Allah Azzawajal descende. Et vous voyez comment le messager d'Allah apprend aux enfants. Et dans un hadith sahih aussi, qui, une fois, il avait alayhi sallam, vu Al-Hassan. Si je me trompe, c'est le Hussein, l'un des deux. Hassan ou bien le Hussein. Ce qui est sûr, c'est l'un des deux beaux-fils, petit-fils. Il l'a trouvé en train de manger une date. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « kh ». Kh, regardez. Une phrase que tout le monde dit. Il lui a dit « kh ». Kh. Il lui a dit « ne sais-tu pas que nous, les gens de la maison, on ne mange pas l'aumône ? Ne sais-tu pas ?» Alors celui-là, il était très jeune. Très jeune. Peut-être qu'il mangeait, il marchait même en rampant. Tellement il était jeune. La preuve, il lui dit kher, kher. On dit kher à quelqu'un qui a peut-être 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui a 8 ans ou 10 ans. Celui qui a 8 ans, on lui parle. Et malgré qu'il était jeune, il lui a appris qu'on ne doit pas, nous, de la maison du messager de là, on ne doit pas manger de la sadara, de la zakat. Regardez, il ne dit pas, celui-là, c'est un gamin, laisse-le, quand il va grandir, il va apprendre. Non, l'occasion est venue, je lui apprends. L'occasion est venue, il s'est trompé, je lui apprends. Bi'idhnillahi azza wa jal. Taïeb, où est-ce qu'on était? Quand une musulmane mange avec ses doigts, il est convenable qu'elle le fasse posément et sans se précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait l'habitude de manger avec les trois doigts de sa main droite. Et il ne trempait jamais sa main dans la nourriture de manière susceptible de répugner ses commensales. Ces gens, les gens qui sont assis avec lui. Muslim rapporte que Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger avec trois doigts et les lécher quand il achevait son repas. Et les lécher quand il sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aussi à ses compagnons de lécher leurs doigts avant de se les laver après le repas et sans oublier aussi d'essuyer l'assiette. La raison de cette pratique est de ne laisser aucune part de bénédiction contenue dans la nourriture. Donc il est de la sunna hein, de terminer ce qu'on a dans l'assiette. Et il est de la sunna aussi de se lécher les doigts quand on a mangé quelque chose qui laisse des traces, qui laisse comme de la sauce par exemple dans nos doigts, on se les lèche ensuite, si on veut, on va les laver. Mais on doit continuer aussi ce qu'il y a dans l'assiette, c'est pourquoi, car si on ne continue pas, on ne termine pas ce qu'il y a dans l'assiette, on risque de laisser la bénédiction, le baraka, on la laisse dans l'assiette. Ou bien la baraka, elle est dans les doigts. C'est pour ça qu'on doit les lécher hein, et terminer ce qu'il y a dans l'assiette. Donc ce qui nous pousse à quoi? Ce qui nous pousse à ne pas se servir puisque on peut manger. Puisque j'ai dit, la sunna dit, qu'on doit, quand je dis « je », on doit, ça veut dire c'est pas obligé, mais la sunna c'est que on termine ce qu'il y a dans l'assiette. Et maintenant, si on se sert beaucoup plus qu'on peut manger, donc on va pas terminer ce qu'il y a dans l'assiette. Donc on se sert seulement ce qu'on peut terminer. Ensuite, si on a encore faim, on dit « ajoutez-moi ». Naam, Muslim rapporte que Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a dit « le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de se lécher les doigts et de finir l'assiette après le repas ». Il disait, vous ne pouvez savoir dans quelle partie de votre nourriture se trouve la bénédiction. Rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 13, page 204. J'ajoute ici qu'il y a un hadith que l'auteur n'a pas cité, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, a ajouté quelque chose, il a dit, quand vous terminez de manger, vous vous léchez les doigts, léchez-vous les doigts, ou bien faites-les lécher. Faites-les lécher. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Silsila Sahiha, a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, faites-les lécher. Faites-les lécher, ça veut dire, dites-moi par exemple, d'après vous, à qui je vais donner mes doigts pour être léché? Qui va me lécher les doigts? J'appelle le voisin, je lui dis, lèche-moi les doigts. C'est impossible. Car si moi, un homme va me donner ses doigts, je ne vais pas les lécher. Donc, comme a dit Cheikh Al-Albani, c'est ou bien les enfants, ou bien la femme. L'épouse, il est possible que l'épouse aussi ne veuille pas, mais les enfants, en principe, naam, quand on leur apprend cette chose, ils le font. Naam, ils le font facilement. Bi'idhnillahi azza wa jal. Tayyib. Afoun daqiqa. Naam. Il rapporte aussi. Afoun. Naam, il rapporte aussi que Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu a dit: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam terminait son repas, il léchait ses trois doigts et disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, quand une bouchée tombe de la main de l'un d'entre vous, qu'il la ramasse, qu'il la nettoie et ensuite qu'il la mange. Qu'il ne l'abandonne pas aux démons. Il nous ordonnait aussi d'essuyer l'assiette et nous disait, vous ne pouvez savoir dans quelle partie de votre nourriture se trouve la bénédiction. Yani, voir Sharh Sahih Muslim, volume 13, page 204. Donc ici, on apprend autre chose. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que quand on est en train de manger et que quelque chose nous tombe de notre main ou notre bouche, tombe par terre, hein, on doit la ramasser, l'essuyer et la manger. On dit ici, bien sûr, sauf si elle tombe dans un endroit hein, où on ne peut plus la nettoyer. Si elle tombe dans un endroit sale, on ne va pas la manger. Si elle tombe dans un endroit où, elle va être pleine de sable de tous les côtés, il n'y a pas comment la nettoyer, on ne peut pas
alors quoi, on ne peut pas la nettoyer et donc on ne peut pas la manger. Mais si elle tombe comme ça, yani sur la table ou là sur la toile cirée ou bien sur le carrelage, sur ceci, nan, de façon à ce que on la ramasse, on la nettoie comme ça un peu, on la en mange. Pourquoi? Pour ne pas la laisser au démon. Le démon, c'est notre plus grand ennemi. Et c'est le plus grand ennemi d'Allah Azzawajal. Allah Ta'ala dit, Inna shaytana lakum adou, fattakhidou adouwa. Il a dit, le shaytan est pour vous un ennemi. Prenez-le comme ennemi. Or, si je dois le prendre comme ennemi, je ne dois pas l'engraisser en lui donnant à manger. Car tout ce qui tombe de moi, il va le manger. Donc moi, je dois, quoi? Je dois, yani, il faut qu'avec moi, il fasse le régime. Le shaitan, il faut qu'il fasse le régime avec moi. Naam. S'il veut manger, il va chez les kofars. Avec moi, c'est le régime strict. Quelque chose tombe, je ne la lui laisse pas. Je dis bismillah, je la nettoie et je la mange. Bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Dans le repas, la musulmane raffinée par les règles de bienséance islamique évite de produire des sons déplaisants en mâchant la nourriture. Quand on mange, on ne mâche pas la nourriture, excusez-moi du mot, yani comme un chien. Non, le chien, quand il mange, il fait du bruit en mâchant. Mais le musulman, la musulmane, mâche sans faire de bruit. Non, elle se garde aussi de manger à grande bouchée, car cela donne d'elle une image laide qui ne convient pas à sa féminité et à son élégance. J'ajoute aussi une chose, et bien sûr, elle doit être naturelle, c'est-à-dire ni yani, elle mange avec de grandes bouchées, ni elle fait la fine bouche, au point de rester peut-être yani, de rester non rassasiée, et elle s'arrête comme ça parce qu'elle a honte des gens. Non, en islam, on mange bi'idhna azzawajal jusqu'à sa fin, sans exagérer, non, en faisant de grandes bouchées, et sans aussi faire le contraire, c'est-à-dire la fine bouche. Mais on est naturel et on mange maintenant jusqu'à ce que, là, on ne peut plus manger, hein, on n'a plus envie de manger. Maintenant, si quelqu'un veut appliquer le hadith qui dit un tiers pour l'eau, un tiers pour le manger, un tiers pour la respiration, ça c'est la meilleure des choses. Mais qui, de nos jours, yani, fait ou là, applique ce hadith. Puis, lorsqu'elle termine son repas, et bien sûr, ceux qui disent qu'on peut manger jusqu'à sa faim, il y a le hadith de Abi Huraira, radiallahu ta'ala, dans le Bukhari. Il a mangé, mangé au point où on lui a dit, ajoute, mange encore. Il a dit, je ne trouve plus de place. Je n'ai plus de place où, je crois qu'il était en train de boire du lait, le ben. Il a dit, je n'ai plus de place où le mettre. Naam. Puis, lorsqu'elle termine son repas, elle exprime sa gratitude à Allah Azza wa Jal en adoptant les formules prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pareille occasion. Al-Bukhari rapporte que Abu Umam al-Bahili radiallahu ta'ala anhu a dit, lorsqu'on débarrassait la table, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, que disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand on quoi? Quand on débarrassait la table. Il disait, louange à Allah. Naam, ça veut dire qu'on a Alhamdulillah. Des louanges multiples, pures et bénies. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban, mubarakin fi. Il n'a besoin de personne. Ghayra makfiyin. Il ne délaisse personne. Wala muwadda'. Non, wala muwadda'. Et personne ne se passe de lui. Wala mustaghnan anhu. Il est notre Seigneur. Rabbuna. Non, comme ça disait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith bien sûr authentique. Naam, si vous voulez que je vous dise où se trouve le hadith, je dirais le hadith se trouve hein, de voir Sahih Abi Daoud numéro 3849. Le messager d'Allah a dit, quiconque s'il termine le repas, il dit ça, il dit Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbuna, il a dit, s'il dit cette phrase, alors tous ces péchés qui ont été faits vont être, bi-idhnillah azza wa jal, annulés. Vont être annulés. Naam. Soulignons aussi que c'est une règle de bienséance islamique
que de ne pas désapprouver ouvertement la nourriture qu'on nous présente. Abu Huraira, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais désapprouvé une nourriture. S'il l'appréciait, il en mangeait. Si elle lui déplaisait, il l'a laissé. Hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Naam. C'est vraiment, vraiment, vraiment impoli de désapprouver une nourriture que les gens nous ont servie. Imagine que tu ailles chez quelqu'un qui t'a invité, je ne sais pas combien d'heures, sa femme, et peut-être même les deux, ils ont passé à la cuisine en train de préparer, et quand tu goûtes, tu dis, « Oh là, cette nourriture ne vaut rien. » Subhanallah, c'est vraiment impoli de dire une phrase pareille. Mais tu dis, « Elle n'a aucun goût. » Ah, elle n'a aucun goût. Naam, il est permis de dire, « Est-ce que c'est possible que vous m'apportiez un peu de sel ? Est-ce que c'est possible de m'apporter un peu de, je sais pas quoi, un peu de piquant un peu ?» Mais de dire que la nourriture n'est pas bonne, c'est vraiment impoli en islam. Alors si jamais elle ne nous plaît pas, et il est possible qu'elle ne nous plaise pas, car les habitudes changent d'endroit à endroit, de pays à pays, de région à région. Naam. La meilleure, par exemple, le meilleur manger dans une région, peut-être chez des autres, ça ne se mange pas du tout. Si on le mange, on vomit. Alors chez les autres, c'est le meilleur repas qu'ils t'ont servi. Alors si ça ne nous plaît pas, on a goûté, qu'est-ce qu'on dit? On arrête de manger, c'est tout. Naam. Mange, tfadal. Alhamdoulilah, jazakallahu khair, j'ai plus envie. Jazakallahu khair, barakallahu khair. Naam. S'ils comprennent, ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, naam. D'ailleurs, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? La musulmane est également appelée à respecter les règles islamiques relatives à la manière de boire de l'eau. Elle évoque le nom d'Allah avant de boire. Elle ne boit point d'un seul coup, mais à plusieurs gorgées, lui permettant de reprendre haleine en dehors du récipient. Elle évite toutefois de boire par le bec verseur d'une bouteille, d'une gourde ou d'une outre. Elle étanche sa soif en étant assise, sauf si les circonstances ne lui permettent pas. Naam. Ensuite, ici l'auteur a cité un hadith qui est daif, je ne le cite pas. Il est faible, je ne le cite pas. Je cite le hadith authentique. Bukhari et Muslim, Anas ibn Malik, d'après le Bukhari Muslim, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, a dit, en se désaltérant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reprenait haleine à trois reprises. En se désaltérant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il reprenait haleine à trois reprises. On rapporte aussi, d'ailleurs j'ai lu dans un autre hadith que, yani, il disait Bismillah, ensuite s'arrêtait, il disait Alhamdoulilah. Ensuite il reprenait Bismillah, il s'arrêtait, il disait Alhamdoulilah. Ensuite la troisième fois, Bismillah, s'arrêter, dit Alhamdoulilah. Hadith Hassan, hadith bon. On rapporte aussi qu'Abu Sa'd, Abu Sa'id al-Khudari, Abu Sa'id al-Khudari, qu'Allah Ta'ala l'agri a dit, certains disent Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah Ta'ala l'agri a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant déclaré qu'il était interdit de souffler sur la boisson, un homme lui dit alors, il m'arrive d'y voir une saleté. Tu n'as donc qu'à la déverser, lui répondit le prophète alayhi salatu wasalam. Il arrive aussi qu'une seule gorgée, n'étanche pas ma soif, reprit l'homme. Le prophète lui répondit alayhi salatu wasalam, éloigne-toi donc de la coupe, la coupe de ta bouche pour reprendre haleine. Éloigne donc la coupe de ta bouche pour reprendre haleine. Hadith authentique, vous pouvez le trouver chez Tirmidhi, Naam. Et chez Sahih Jami' de l'Albani numéro 46. Al-Muhim, Cheikh Al-Albani, dans un livre, c'est la Sahiha, j'ai lu ça fait peut-être 20 ou 25 ans, qu'il a dit dans ce livre, c'est la Sahiha, si je ne me trouve pas, c'est le premier tome, si je n'ai pas oublié le premier tome, quand il a cité ce hadith, où le messager d'Allah, quelqu'un lui a dit que ça ne m'étonge pas une seule gorgée. Le messager d'Allah lui a dit, éloigne donc la coupe de ta bouche pour reprendre haleine. Cheikh Al-Albani a dit, c'est ici. Voilà. Vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Cheikh Al-Albani a dit, la preuve qu'on peut boire d'un trait, c'est que cette personne a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une gorgée,
ça ne m'étonne pas. Ça veut dire, est-ce que je peux boire d'un trait? Le messager d'Allah lui a dit, éloigne donc la coupe de ta bouche, comme ça tu peux prendre haleine. Et ne lui a pas interdit de boire d'un trait. Il ne lui a pas interdit. Non, en trois gorgées. D'ailleurs, remarquez avec moi ici une chose. Lorsque Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu a dit, le prophète alayhi salatu salam ayant déclaré le préfet qu'il était interdit mais maintenant vous m'entendez sur la boisson. D'ailleurs, c'est bien. Non, mais maintenant, je disais, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était interdit de souffler sur la boisson, j'ajoute une chose pour dire, hein, que dans la sunna aussi, il est déconseillé de souffler sur le manger. Comme il est déconseillé de souffler sur la boisson, il est déconseillé de souffler sur le manger. Écoutez le hadith qui va suivre. An Asma. Asma, c'est qui? La fille de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Anna kanat ida taridat. Le hadith dit que Asma, la fille de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, quand elle faisait une panade, c'est-à-dire un manger composé de pain, de viande et de sauce, hein, qu'est-ce qu'elle faisait? Ghattathu shay'an. Elle le couvrait. Elle le laissait couvert. Pourquoi? Hatta yadhhaba fawruhu. Jusqu'à ce que la vapeur parte. Elle le laisse comme ça couvert, un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Thumma taqul, ensuite elle disait, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le mire, innahu a'zam lil baraka. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le manger où il n'y a pas de vapeur, le manger qui a perdu sa vapeur, il est meilleur pour la bénédiction d'Allah azzawajal. Il comporte plus de baraka que le meilleur, que le manger qui comporte de la vapeur. Naam. Il se trouve ce hadith dans Silsila Sahiha du Cheikh Al-Albani numéro 392. Et An Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, toujours dans Silsila Sahiha numéro 392, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, La yu'kalu ta'amun hatta yadhhaba bukharuh. Naam. On ne mange pas le manger jusqu'à ce que il ne contienne plus de vapeur. On ne mange pas le manger jusqu'à, disons, ce qu'il ne contienne plus de vapeur. Donc les gens qui prennent comme ça le plat, par exemple de la soupe, ou du couscous, et qui commencent à souffler à l'intérieur, hein, pour le refroidir, ceux-là bien sûr, font une chose qui est contraire à la sunna. Mais il doit attendre jusqu'à ce que la vapeur aille, ou du moins la grande vapeur. D'ailleurs, même logiquement, si vous avez remarqué que quelqu'un, quand il mange une chose très chaude, subhanallah, il est en train de se brûler. Il est en train de brûler sa bouche et sa langue. Celui-là, il n'est pas en train de comment dirais-je, ce n'est plus un délice. De manger, c'est un délice, surtout quand on a faim. Mais celui-là, il est en train de se châtier. Il mange et il crie aïe, 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 aïe. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il termine. Non. Payez. Notons enfin qu'il est préférable de boire en étant assis et d'éviter d'étancher sa soif directement par le verseur d'une bouteille ou de tout récipient destiné à conserver l'eau. Non. Il y a un hadith qui dit que on ne boit pas d'un bec verseur, d'une bouteille ou d'un autre récipient. Pourquoi? Sauf bien sûr quand on est dans des circonstances particulières. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont comme ça, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je vois certaines personnes, si je le vois boire de la bouteille, je ne peux plus boire de cette bouteille. Il a bu directement de la bouteille. Je ne sais pas qui, si cette personne, peut-être qu'elle vient de boire de l'alcool, peut-être qu'elle fume la cigarette, peut-être qu'elle a une mauvaise haleine, peut-être. Pourquoi qu'il va boire comme ça directement de la bouteille? Qu'il boive dans un verre. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique,
a bu une fois directement du bec verseur d'une outre qui était comme ça accrochée vers le haut comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, dans des circonstances particulières, s'il n'y a pas de verre, et il n'y a que cette gourde, ou il n'y a que cette bouteille, il n'y a pas de verre, donc il y a moyen de ne pas boire par le bec verseur, on ne boit pas directement par le bec verseur. Et je terminerai par dire que les savants ont divergé sur le fait de boire debout. Est-ce que c'est permis ou ce n'est pas permis? Bien sûr, il y a des compagnons qui ont bu debout. Même le messager d'Allah a bu debout. Mais n'empêche que le messager d'Allah il nous a même interdit de boire debout, comme c'est dans le hadith authentique. C'est pour ça que les savants diffèrent. Ils disent, est-ce qu'on va prendre le hadith qui dit qu'il ne faut pas boire debout, ou bien on va prendre les hadiths où on a vu le messager d'Allah boire debout. Et bien sûr, ici, ça rentre dans ce qu'on appelle usul fiqh. Et comme Cheikh Al-Albani Rahmouh va dire, quand le messager d'Allah a bu debout, ça c'est un geste, ce n'est pas une parole. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les paroles. Le messager d'Allah t'a dit, ne bois pas debout. Il a vu quelqu'un en train de boire debout, il lui a dit, est-ce que tu veux que le chat boive avec toi? Il a dit, non, ya Rasulallah, j'aime pas que le chat boive avec moi. Il lui a dit, alors qu'en est-il? Le shaitan a bu avec toi, quand tu as bu debout. Le shaitan a bu avec toi. Si tu n'aimes pas que le shaitan boive avec toi, comment se fait-il que tu permettes au shaitan, si tu n'aimes pas que le chat boive avec toi, comment se fait-il que tu permettes au shaitan de boire avec toi? Et c'est un hadith authentique qui se trouve dans la sahiha de Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Al-Albani Rahmou s'est basé sur un autre hadith où il est dit que le messager d'Allah a vu quelqu'un boire debout. Il lui a dit « Keh ». « Keh », ça veut dire « va vomir ». Et l'autre, bien sûr, a rentré ses doigts et a commencé à vomir. Le Cheikh Al-Albani a dit, si vraiment ce n'était pas interdit de boire debout, si c'était seulement makruh, déconseillé, comme disent certains savants, est-ce que le messager d'Allah, qui a été envoyé, rahma, miséricorde, rahma lil alamin, miséricorde pour les hommes, pour les animaux, pour les arbres, est-ce que le messager d'Allah, qui a été envoyé en miséricorde, va demander à quelqu'un de se faire du mal, en rentrant ses doigts dans le gosier pour vomir à cause de quelque chose qui n'est pas interdit? Vous imaginez que le messager de la fasse cette chose? Tu bois quelque chose qui n'est pas interdit, il va te dire va mettre tes doigts dans ton gosier. Et vous savez, tout le monde sait que quand on vomit de nous-mêmes, ça fait pas mal. Mais quand on veut se faire vomir, c'est vraiment difficile. Alors, surtout si on n'a pas envie de vomir. Donc, Cheikh Al-Albani a dit, c'est là une preuve que vraiment, il est interdit de boire debout. Conclusion, moi je suis de l'avis qui dit, on ne boit debout que dans des circonstances particulières. C'est-à-dire, quand je suis dans une position où par exemple il y a une gourde qui est attachée en haut. Je ne vais pas enlever la chaîne et la faire descendre pour boire assis. Je bois debout. Je suis dans un endroit où il n'y a pas où m'asseoir. Je bois debout. Et comme ça. Et plusieurs fois, Naam, des fois, on s'accroupit comme ça et on boit. On s'accroupit quand c'est possible et on boit. Sinon, non, on est dans un endroit où il n'y a pas de chaise, où il n'y a pas comment boire, boire debout. Comment boire assis. Allah Azza wa Jal, je crois que c'est permis. En prenant des autres hadiths qui disent que le messager d'Allah a boit assis. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Le prochain dars, inshallah ta'ala, aujourd'hui, c'était les règles relatives au boire et au manger. Le prochain das, les règles relatives aux salutations. Salutations, naam. Surtout aux sœurs qui, lorsqu'elles se quittent, elles disent pas salam alaikum, mais elles disent bye et bye bye, quelque chose comme ça, naam. Bye et bye bye. Prochain das, c'est sur bye et bye bye. Vous allez voir bye et bye bye quand vous vous quittez, que c'est interdit. Et qu'il faut dire salam alaikum. Tayyib. On commence, j'ai dit on commence, je termine ici, je dis subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Les questions, inshallah ta'ala, dans 5 minutes. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et je dis pas bye.
programme qui s'appelle InSpeak et qu'il est dans le site, il est dans mon site pour celui qui veut quoi? Pour celui qui veut le télécharger. Là-bas, Inch'Allah ta'ala, ça se coupe jamais. C'est pour ça qu'il est préférable d'être dans les deux. Si j'entends pas de ce côté, j'entends de l'autre. الحمد لله. السلام عليكم الشيخ, تقبل الله منا ومنكم. Que Allah vous préserve. Lorsque l'on perd ses adorables, de les refaire, bien que l'on ne compte pas prier, pour suivre l'exemple du prophète, alayhi salatu wa salam, qui ne pouvait pas saluer une personne tant qu'il n'avait pas ses ablutions. Car on m'a dit que l'on faisait ses ablutions que pour prier ou pour lire le Coran ou avant de dormir. Tfadal cheikh. Vous m'entendez? Tayeb, je n'ai pas entendu la question. Car il y avait l'écho. Il y avait l'écho. Maintenant, j'ai oublié. Est-ce que c'est moi qui dois faire mute ou bien c'est vous? Est-ce que c'est moi qui dois faire mute ou bien c'est vous? J'avais l'écho, je n'ai rien entendu. Non, c'est mon cher, vous entendez bien? Vous n'avez plus l'écho, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, je répète le tawahid. Salam alaykoum, cher. Qu'Allah vous préserve. Amin. Lorsque l'on perd ses ablutions hors temps de prière, est-il préférable de les refaire, bien que l'on ne compte pas prier, pour suivre l'exemple du prophète, alayhi salatu wa salam, qui ne voulait pas saluer une personne tant qu'il n'avait pas ses ablutions. Car on m'a dit que l'on faisait ses ablutions que pour prier, lire le Coran, ou alors avant de dormir. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'attends la réponse sur l'InSpeak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Il est de la sunna, ce qu'on appelle sunna taqririya. Taqririya, c'est-à-dire que le messager d'Allah, alayhi salam, sa sunna, ce n'est pas seulement ce qu'il fait ou ce qu'il dit. C'est aussi ce qu'il acquiert, ce qu'il consent. Quand il voit quelqu'un faire une chose, il l'acquiert, il le consent ainsi, ça rentre dans la sunna aussi. Donc le messager d'Allah, alayhi sallam, Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, lui a dit quoi? Quand il lui a dit, ô oh Bilal, j'ai entendu tes pas dans le paradis, que fais-tu? Il lui a dit, ya Rasulallah, il ne se passe pas une fois où je perds mes ablutions sans faire le wudu. Et ensuite, si je fais le wudu, bien sûr, je fais deux rak'ati. Donc, ça rentre dans la sunna si quelqu'un veut rester toujours avec les ablutions. Ça rentre dans la sunna de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, qui a été approuvé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car ce que fait Bilal tout seul, bien sûr, ce n'est pas le shra, ce n'est pas la religion. Mais c'est que le messager d'Allah a approuvé Bilal quand il lui a dit, à chaque fois que je perds mes ablutions, j'en fais de nouvelles. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. أحبكم في الله الشيخ. Est-ce qu'un audio à la maison de Surat al-Baqara nous protège de Shaitan ou faut-il la lire? Sachant qu'on ne sait pas tous lire l'arabe. تفضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أخينا سيف الدين. Et qu'Allah Azzawajal l'aime comme il m'a aimé, il m'a fait rappeler une chose, c'est quoi? C'est de vous dire, Taqabbalallah minna minkum pour l'aïd. J'ai complètement oublié, quoique je l'ai dit, je l'ai laissé dans le site, Inch'Allah Ta'ala. Et, je le dis encore une fois maintenant, Taqabbalallah minna minkum. En ce qui concerne Sourate al-Baqara, bien sûr, la meilleure façon, c'est de la lire, bi'izna Azzawajal. Mais, ne pas la lire et la faire réciter, ça joue aussi, bi'idna azzawajal, un rôle. Naam, ça joue aussi, comme on dit certains savants, ça joue aussi le rôle de faire quoi? De faire expulser Satan, bi'idna azzawajal. Naam, c'est pour ça que si on peut la faire réciter, on la laisse comme ça réciter, surtout si on entend ce qu'il est en train de réciter. Et bien sûr, celui qui la lit, celui qui lit est meilleur. Naam. Tfadla, Inch'Allah, le suivant. Là, on passe à InSpeak, Inch'Allah. C'est à Mohamed 222. Donc, j'ai la question en PV, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fikoum. Ma question
porte sur le port de l'or pour la femme. Je partage l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cependant, je voudrais savoir ce que signifie précisément le mot circulaire. Est-ce que ce terme englobe les bijoux, comme les colliers, bracelets, gourmettes, etc. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, si la sœur, si ou bien la personne qui a posé la question, si elle est de l'avis du Cheikh Al-Albani, elle ne doit mettre. Naam, elle ne doit mettre aucun bijou circulaire. Et circulaire, c'est comme elle a dit elle, ça veut dire le bijou qui tourne autour de quelque chose. C'est comme le collier, il tourne autour du cou. Et le bracelet tourne autour du poignet. Et Osma avec, et la bague tourne autour du doigt. Naam. Si elle veut mettre, par exemple, des boucles d'oreilles, il ne faudrait pas que les boucles d'oreilles soient en cerceau. Yani, elles se terminent comme ça, elles font un cercle. Il faudrait qu'elles soient coupées pour que les deux choses, les deux bouts ne se rejoignent pas, pour qu'il y ait un vide. C'est pour ça qu'il y a maintenant des boucles d'oreilles qui ne sont pas sous forme de cerceau comme ça. Hein, c'est comme une pincette comme ça, on la met sur l'oreille et ça descend comme ça. Non. Donc pour celui qui prend cet avis, il n'est permis que les bijoux qu'on peut accrocher sur les vêtements. Par exemple, sur sa poitrine, elle peut accrocher, par exemple, un bijou, mais sans qu'il tourne autour de son cou ou bien autour de son doigt et comme ça. Tfadla, inshallah, suivant. Donc là, c'est Saoudia. Tapez un lorsque la question est terminée, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Une sœur vous pose la question suivante. Une sœur vivant en France souhaite se marier en tant que coépouse. Mais une fois mariée, elle ne pourra pas quitter tout de suite le territoire français pour cause administrative. Son prétendant est en Algérie, ainsi que sa femme. Elle voudrait savoir quel est son droit. Premièrement, son droit au niveau des visites est-il égal à celui de sa première femme, c'est-à-dire s'il passe un mois avec une, doit-il passer un mois avec l'autre, sachant qu'elle n'est pas dans le même pays? Deuxièmement, si la femme touche de l'argent de l'État en France, est-il quand même dans l'obligation de lui verser de quoi se nourrir, se vêtir et payer, etc. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? De toute façon, le son est très mauvais. Le son est très mauvais dans le Paltalk aujourd'hui. Naam. Sawt radi jiddan ala al Paltalk. Naam, le son est très mauvais sur le Paltalk aujourd'hui. Qaddar Allah ma sha fa'al. Al-muhim, ça coupe beaucoup. Naam. Je ne sais pas si vous entendez bien les réponses. Mais nous, alhamdoulilah, sur le InSpeak, c'est clair. Un deux. Hein? Je ne sais pas si je vais répondre ou pas. Ça, j'ai peur que la question, j'ai peur que mes réponses ne soient pas bien comprises. Taïb, je dis, et si vous ne me comprenez pas bien, vous le dites, Inch'Allah ta'ala. Pour la première question, Naam, pour la première question, quand un homme a deux épouses, il doit être équitable envers les deux. S'il passe un mois chez celle-ci, il passe un mois chez l'autre. Naam. S'il passe une semaine chez celle-là, il passe une semaine chez l'autre. Et comme ça. Sauf si l'une des deux épouses se désiste et dit, ça ne fait rien. Tu peux rester chez l'autre 3 mois et chez moi une nuit. Si c'est elle qui se désiste, et yani, tatanazal an haqqiha, elle est libre. Sinon, il est obligé de faire la même chose. Même d'ailleurs, vous pouvez lire dans Fatawa al-Lajna al-Da'ima, vous pouvez lire que ils ont dit que même si quelqu'un part, par exemple, en vacances avec l'une de ses femmes, naam, ils ont fait par exemple le Qur'an, ils ont fait ce qu'on appelle tirage au sort. Il est parti avec une de ses femmes pendant un mois. Quand il revient, il doit rester un mois avec la deuxième. Sauf si quoi? Sauf si elle se désiste, elle lui dit, ça ne fait ça partager normalement une nuit, et comme ça. Pour la deuxième question, quand quelqu'un se marie avec une femme,
même, n'am, si elle a de l'argent qu'elle a hérité ou bien de l'argent qui vient d'autre part, n'am, même si un pays les sépare, n'am, même si un pays les sépare, même si un pays les sépare, sauf quoi? Sauf, comme j'ai dit, si la deuxième épouse se désiste et elle dit, je sais que c'est difficile, etc., alors ne nous donne pas à égalité. Non, ne nous donne pas à égalité. Maintenant, pour l'argent, si une femme a de l'argent qui lui vient d'ailleurs, par exemple comme héritage ou quelque chose comme ça, c'est son propre argent. Certes, elle n'a pas le droit. D'après le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani, elle n'a pas le droit de s'en servir à sa guise. Elle doit demander, non, le consentement de son mari. Mais lui, il doit dépenser pour elle. Il ne va pas dire, puisque tu as de l'argent, je ne vais pas dépenser pour toi. Mais non, il dépense pour elle. Il s'est marié pour dépenser pour elle. Sauf maintenant, bien sûr, s'il veut la laisser travailler. S'il veut la laisser travailler, en contrepartie lui dit, à condition que c'est toi maintenant qui dépenses pour toi. Donc c'est d'après leurs conditions, mais si jamais l'argent est venu d'autre part, pas le travail, comme un héritage, etc., ou quelqu'un lui a donné de l'argent bénévolement, il doit dépenser pour elle. Fadlan, inchallah, la prochaine question. Donc là, ça, Oumou Asma. Salam alaikum, cher. Une sœur de la Roum demande: si un homme et sa femme suivent chacun un avis de savants différents, quel est l'avis qui prime? Est-ce que la femme doit prendre le même avis du savant que son mari, ou a-t-elle le choix? Jazakumullah khayran. Tfada, cher. Non, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. Je donne encore, comment on dit ça? Je cherche le mot. Je donne encore la nasiha aux frères et sœurs de télécharger le InSpeak. Comme ça, quand le son est mauvais dans le Paltalk, on ferme carrément et on reste dans l'autre, et on reste dans le InSpeak. Quand le son est très mauvais comme aujourd'hui, on ferme carrément le Paltalk et on reste dans le InSpeak, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est un logiciel comme les autres, vous l'installez, vous vous inscrivez, vous mettez un pseudo, par exemple, comme Youssef ou le Muslim 029 ou là. Non, vous essayez de garder le même comme dans le Paltalk, sinon c'est un autre et un mot de passe si vous rentrez. Non. Inch'Allah ta'ala. Je dis, la femme en islam, adore Allah Azza wa Jalla avec la vie duquel elle a été convaincue. Et elle ne suit pas son mari dans les adorations d'Allah Azza wa Jalla. Si elle est convaincue que cette chose est haram, et son mari est convaincu qu'elle n'est pas haram, elle ne la fait pas. Non. Si elle est convaincue que telle chose se fait, et son mari n'est pas convaincu qu'elle se fait, elle peut la faire. Sauf dans les cas où, si elle fait la chose, il risque d'avoir un confrontement entre elle et son mari. Je donne un exemple. Supposons qu'elle soit de l'avis des quatre imams. Abi Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahoumullah, qui disent que le visage de la femme n'est pas une aura et que son mari soit de l'avis des grands savants de l'Arabie Saoudite qui disent qu'elle doit cacher son visage. Non. Comment qu'elle doit faire? Normalement, elle ne le cache pas parce qu'elle est convaincue. Mais s'il y a un problème avec son mari qui dit il faut que tu caches, sinon on divorce. Dans ce cas, il lui est conseillé vivement, d'ailleurs elle rentre dans l'obéissance de son mari, alors dans ce cas, elle va cacher son visage, même si elle n'est pas, quoi, même si elle n'est pas convaincue de cela. Mais en règle générale, elle suit la chose dont elle est convaincue, tant qu'il n'y a pas confrontation entre elle et son époux. Naam, tfadl, inchallah, suivant. Cher, donc là on passe à InSpeak. Si vous pouvez enlever le raid à Ibn Mustafa. Ibn Mustafa, posez la question, Inch'Allah. Ibn Mustafa,
Vous êtes là, Inch'Allah? Je l'ai envoyé en PV. J'ai rien reçu en PV. J'ai pas la question. Renvoyez-la, Inch'Allah. Mnaoufel, posez la question, Inch'Allah. Donc, Ibn Mustafa, j'attends que vous fassiez copier-coller, Inch'Allah. Ibn Mustafa, la question que vous posez en PV, elle passe pas. J'ai juste le début. Salamu alaykoum, Cheikh, une, et après, il n'y a plus rien. Posez-la directement sur la room, Inch'Allah. Mnaoufel, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Là, on est toujours sur InSpeak. Le Abdelaziz. Alhamdoulilah, la question est passée, Inch'Allah. Salamu alaykoum, Cheikh. Une sœur demande. Cela fait presque 6 mois que je suis mariée et je n'arrive toujours pas à consommer le mariage. Avec mon mari, je fais tout mon possible, mais à chaque fois, il y a un blocage. Tous mes muscles se crispent et rend le tout impossible. Tfadal, Cheikh. Ah, Afwan, c'est pas fini. Donc tapez Inch'Allah lorsque la question est terminée, Inch'Allah. Donc je répète, Inch'Allah. Salamu alaykoum, Cheikh. Une sœur demande. Cela fait presque 6 mois que je suis marié et je n'arrive toujours pas à consommer le mariage. Avec mon mari, je fais tout mon possible, mais à chaque fois il y a un blocage, tous mes muscles se crispent et rend tout impossible. Cela me fait souffrir énormément car je prive mon époux de ses droits sur moi, bien qu'il patiente, mais le pire, c'est que je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué comme ça. À cause de tout ça, je suis perturbé, je n'arrive pas à dormir la nuit et je n'arrête pas de penser et de pleurer. Pouvez-vous me conseiller, barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense? Amin. Tfadal, Cheikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ الحمد لله. Cela dépend d'une des deux choses. Cela dépend d'une des deux choses. La première des choses, et c'est une chose rare, mais qui est arrivée. C'est une chose rare qui arrive et qui est arrivée. C'est quoi? C'est que la femme a consommé le mariage et ne sait pas qu'elle a consommé. Ensuite, peut-être qu'elle a consommé ça fait un certain temps. Ensuite, elle ne sait pas. Et puisqu'elle est restée toujours comme ça, alors à chaque fois, et bien sûr, elle croit qu'elle n'a pas consommé, alors à chaque fois que son époux s'approche d'elle, ça lui fait tellement mal qu'elle se crispe et qu'elle ne le laisse pas, etc. Pourquoi? Parce que cet endroit n'est pas habitué à cette chose, parce qu'elle est nouvelle en cette chose, là, et elle ne sait pas que la chose a été déjà faite. Et que, bien sûr, maintenant, ça fait mal parce qu'elle a besoin d'une certaine habitude. J'ai dit ça, c'est la première des choses. C'est un peu rare, mais ça arrive. Hein? Et des sœurs, plusieurs même d'elles, l'ont vécu. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, c'est ce qui arrive à la plupart des femmes qui, yani, on les ensorcelle. On les ensorcelle. Hein? Et pour enlever, yani, on leur fait de la sorcellerie pour que le mari, hein, ne puisse rien faire avec elle, ne puisse pas consommer le mariage. Et on fait ou bien à la femme, ou bien on fait à l'homme. Si on fait à l'homme, c'est comme s'il n'avait plus rien en lui. Et si on fait à la femme, c'est comme s'il y avait un mur que personne ne peut casser. Donc, dans ce cas, il faudrait que, on va voir celui qui est ensorcelé, est-ce l'homme ou bien la femme, ou bien de préférence les deux, il doit prendre une douche. Une douche avec de l'eau. On fait ramener une cuvette d'eau. On la remplit d'eau. Ensuite, on prend 7 feuilles de sidra. On achète ce qu'on appelle le jujubé, sidra. On achète 7 feuilles. Ensuite, ces 7 feuilles, on les met entre 2 cailloux. On prend 2 cailloux. On les met comme les cailloux de Taïmoum là. On met les feuilles une à une. Pas obligé qu'on les mette à la fois, une à une, et on les écrase avec l'autre caillou, on frappe, tac, 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 sur la feuille qui est sur le caillou, tac, tac, jusqu'à ce qu'elle devienne miette, et on la jette dans la cuvette. Deuxième feuille, troisième feuille, les 7 feuilles. Quand elles se terminent, les 7 feuilles, elles sont maintenant en miettes dans la cuvette, on lève la cuvette au niveau de la bouche, et on lit, on peut lire, ayat al-kursi, on lit, qul huwallahu, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Et avant de lire, bien sûr, on crache à l'intérieur. Certains ont dit,
on lit قل يا قل on dit ayat al kursi قل يا أيها الكافرون ce qu'on appelle qawafil qui commence par قل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس donc on mélange et avec cette cuvette on va prendre une douche بإذن الله عز وجل et certains disent on voit aussi un peu بإذن الله عز وجل si c'est de la sorcellerie qui empêche la consommation de mariage, elle partira, d'après la foi qu'on a dans le cœur et la sincérité en islam. Si ça ne marche pas la première fois, les savants ont dit on l'a refait deux, trois fois jusqu'à ce que ça marche, que Allah te guérisse. Tfadl le prochain. Donc là, c'est Imad 12. Salam alaykum. Hayakum Allah Shir, une sœur divorcée avec enfant a été demandée en mariage, mais son tuteur refuse, son père est décédé, la seule raison du refus est que ce frère n'a pas de papier. La sœur en question me dit qu'elle insiste et malgré le refus, elle veut quand même savoir s'il y a un moyen licite de l'épouser. Elle ajoute qu'elle a des soucis avec ses enfants. Le frère est dans le minhaj. Mais par contre, quels sont les soucis avec les enfants? C'est des soucis par rapport à ce prétendant ou ça n'a rien à voir? Juste pour voir s'il y a un rapport avec la question, Inch'Allah. Non. Alhamdulillah. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si j'ai bien compris que le tuteur refuse de la marier parce que le frère n'a pas de papier, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est cela? Non. En fait, en islam, le tuteur, pourquoi la femme a besoin d'un tuteur? Parce que son tuteur, qui est un homme, voit et prévoit des choses que la femme ne peut pas voir et prévoir. Entre autres, quelqu'un qui n'a pas de papier, quand on va se marier avec lui religieusement, on est sa femme. Et quand il n'a pas de papier, ce n'est pas une chose facile, surtout dans un pays comme en Europe. Et s'il se passe quelque chose, il n'y a aucune preuve que c'est le mari, que l'enfant vient de lui, puisqu'il n'y a pas de papier, donc il n'est pas inscrit, il n'y a rien. C'est pour ça que le tuteur veut quoi? Veut le bien pour cette sœur. C'est pour ça que elle ne devrait pas yani, être contre, mais elle demande à ce frère, il voit comment, qu'il fasse les papiers. Il y aura un mariage avec papy. Enfin, moi je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais je sais que la sœur qui se marie sans papy, que c'est difficile pour elle. Je sais que la sœur qui se marie sans papy, c'est difficile pour elle. C'est pour ça que si elle pouvait aller dans un pays ou comme l'Algérie par exemple, le Maroula, où elle se marierait bi'idhnillah azza wa jall facilement. Ensuite, quand elle va faire, supposons qu'elle fasse des papiers à cet homme pour se marier avec elle, il n'y a aucune assurance qu'un jour il va quitter ce pays. Peut-être qu'il va rester là-bas pour de bon et qu'il va mourir là-bas. Et ce sera elle qui l'aura amené dans ce pays de coffre. De toute façon, elle voit avec sa famille bi'idhnillah azza wa jall comment trouver une solution. Car la tutelle, quand quelqu'un ne veut pas marier et que l'homme remplit toutes les conditions, bien sûr, la tutelle, on la lui enlève et on la donne à l'autre. Ça part du père, ensuite au grand-père, ensuite au frère, ensuite à nos fils, ensuite au frère et comme ça. Wallah Azza wa Jal A'lam. Tfadlat. Ça, Bint Mohamed. Salam alaykoum. Aïdkoum Mubarak à tous. Je voudrais savoir si une femme est enceinte et qu'elle a du mal à avoir des rapports étant donné qu'elle a très mal, doit-elle se forcer ou pas pour ne pas que les anges la maudissent? Je voudrais savoir si je prends des péchés en passant le salam à des hommes de ma famille qui ne sont pas des mahrams. Je précise que je ne reste pas assise avec eux. Donc Inch'Allah, par contre, je rappelle pour les personnes suivantes que c'est une seule question par personne. Barakallahu fikoum. Non, maintenant vous m'entendez? J'avais oublié d'ouvrir le micro. Vous m'entendez?
Alhamdulillah, je disais que le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit la darar wa la dirar. C'est-à-dire, comme on ne doit pas faire de mal à autrui, on ne doit pas faire du mal à soi-même aussi. Donc, cette femme devrait convaincre son mari qu'elle passe par une période difficile et qu'il devrait yani, respecter ses sentiments et la ménager pour ne pas la faire souffrir. Bi-idhnillahi azzawajal. Surtout qu'il y a aussi d'autres moyens pour que l'homme yani, atteigne ce qu'il veut y faire. Il n'y a pas seulement le rapport, mais il y a des choses, d'autres choses, pour que l'homme yani, atteigne la chose qu'il veut faire, même si la femme lui fait la chose avec sa main gauche, à elle, pour ne pas le laisser comme ça. Mais elle doit se soigner et faire son possible pour que cette chose ne reste pas longtemps, yani, cette entrave, cette barrière, pour qu'elle ne reste pas longtemps, surtout si son époux a besoin d'elle. Quant à la deuxième question, où il est dit, normalement ça, il n'y a qu'une question, pour passer le salam à quelqu'un qui n'est pas un mahram, ce n'est pas interdit. Passer le salam, saluer, n'est pas interdit, inshallah ta'ala, et on le verra dans le prochain dars avec des détails, bi'idhnillahi azza wa jal. Fadda le prochain, inshallah. Là, on va passer à une speak. Par contre, cher, le frère qui vous a posé la question en rapport avec la sœur vierge qui n'arrive pas à avoir les rapports, il a demandé si l'eau avec laquelle elle doit se laver, est-ce qu'elle doit la récolter et la jeter autre part que les égouts? Et lorsqu'elle se lave avec cette eau, est-ce qu'elle doit la récolter de la baignoire et la jeter autre part? Car elle dit que le Coran a été récité sur cette eau. Tafadhal Cheikh. Naam, je reviens donc à la sœur, jeudi, à laquelle j'ai dit que c'était permis de saluer, les gens qui ne sont pas des mahrams, des gens étrangers, comme les voisins, les gens qu'on connaît comme ça, naam, il est permis de les saluer si on nous dit salam alaikum. De leur dire par exemple alaykoum salam rahmatullah, si on rencontre un voisin on lui dit salam alaykoum, et comme ça c'est permis, et on va le voir dans le prochain dars bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, sauf si on a peur de créer une fitna. Si on a peur de la fitna et que cet homme c'est un vicieux etc, on lui dit pas salam alaykoum. Mais tant que il y a rien de douteux, il est âgé, il est ceci, il n'y a pas de problème à dire salam alaikum à un homme ou bien de lui répondre. Ça viendra dans le prochain dars, inshallah ta'ala. Quant à l'eau avec laquelle on prend la douche, j'ai lu qu'il y avait des savants, si je ne me trompe pas, c'est aussi Cheikh Ibn Uthaymin entre autres, qui disent qu'il était permis de jeter l'eau dans la baignoire et dans des trucs pareils. De préférence, si on a par exemple un jardin ou un pot de fleurs, c'est là-bas qu'on jette. Mais s'il n'y a pas où, c'est permis de les jeter dans un levier de cuisine par exemple, ou bien dans la baignoire. Naam. Tafadla, inshallah, prochain. Naam, donc là, on passe à InSpeak. Donc, Oumnaoufel, est-ce que vous êtes revenu, inshallah? Oumnaoufel, khair, inshallah. Donc, j'ai la question de Oum Abdelaziz. C'est à Oum Abdelaziz. Assalamu alaikum. Quelle est la définition de Darul Islam? Car selon. Donc, ça, je préfère vous le copier, Cheikh. Parce que là, ça. Allez, Oum Abdelaziz, est-ce que vous pouvez copier juste le passage sur la Rome? Inch'Allah. J'ai la question. Un pays devient musulman lorsqu'on peut y participer ouvertement. Lorsqu'on peut y pratiquer ouvertement sa religion et que la charia est appliquée, s'il y a divergence, veuillez les citer. Barakallahu fikoum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Naam, il y a divergence dans cette chose. Quand est-ce qu'on dit que nous sommes dans un pays musulman ou pas? Vous pouvez lire ça dans le livre Sayyid al-Jarrar 2. Naam, Sayyid al-Jarrar 2, Shawkani rahimahullah.
Naam, il a bien cité cette chose. Et Cheikh Mouqbil aussi, rahimahullah, j'ai comme un fichier de lui où il parle de cette chose. Il montre la différence, la divergence des savants. Et je crois que l'avis le plus sur Bidna Azzawajal, c'est le pays où le gouvernant est musulman, le gouvernant est musulman, et on peut pratiquer l'islam, les piliers yani, sans contrainte. C'est-à-dire, je peux mettre le djilbab, je peux aller à la prière. Bon, le djilbab, ça, c'est pas un pilier. Mais je le mets carrément sans interdiction, je vais à la prière, naam, j'entends l'adhan, c'est permis yani, de faire la prière partout, etc. Naam. Et ce n'est pas parce que on doit appliquer la charia yani, dans sa conformité. Il ne faut pas qu'il y ait d'alcool, il ne faut pas qu'il y ait la zina, sinon on n'est pas dans un pays musulman. Cela n'est pas vrai, bi'idna azzawajal. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque naam, se tourne vers notre qibla, égorge comme nous égorgeons, et fait la prière comme nous la faisons, je crois qu'il a ajouté aussi, il jeûne comme nous jeûnons, il a dit, celui-là, c'est le musulman. Dans un hadith autre, une autre version, c'est le vrai musulman. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadla, inshallah, le prochain. Muslim 029. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Parfois, nous faisons des actes d'adoration, nous n'avons pas le temps de mettre l'attention, car c'est inné. Comme par exemple, un bon comportement envers un frère ou une sœur ou autre, serons-nous quand même récompensés? Est-ce que la récompense est la même si la personne est mécréante ou musulmane? Jazakallahu khair. Tafadhal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Les savants ont dit qu'il était impossible, que quelqu'un fasse quelque chose sans intention. Il était impossible que quelqu'un fasse un geste sans intention. Mais des fois, lui, la personne, ne ressent pas cette intention. Il ne ressent pas qu'il a une intention qui l'a poussé à faire ce geste. Mais il n'y a jamais un geste comme ça sans intention. Même si on se gratte la tête, il y a toujours une intention pour faire cette chose. Quant au bon comportement envers un frère ou une sœur, quand on le fait, c'est en général, c'est un comportement, s'il est bon, c'est en général parce qu'il est dicté par les règles générales de l'islam. Ce n'est pas obligé de se souvenir qu'il y a un hadith qui dit « Comporte-toi bien avec les gens », mais comme ça, en général, on a dans le cœur qu'on est musulman et que par conséquent, on doit bien se comporter. Ça vient comme ça, yani, par, si je peux dire, par instinct, instinctivement. Naam. Mais en fait, c'est venu à cause de la foi qu'on a à l'intérieur et à cause de l'islam qu'il y a. C'est lui qui nous a poussé, même sans le vouloir comme ça, à se comporter ainsi. C'est pour ça que, dans la globalité, on a bi'idna azzawajal des récompenses. Mais si on se souvient, par exemple, du hadith ou bien du verset, avant de se comporter avec telle ou telle personne, bien sûr, les récompenses se multiplient et grandissent. Même avec le kafir, quand on se comporte bien, on a aussi des récompenses. Si on a dans l'idée qu'on se comporte bien avec l'intention de pour mieux propager l'islam, pour lui donner à ce kafir une belle image de l'islam. Dans ce cas, on a aussi quoi? On a des récompenses. Car si on a des récompenses en attirant les gens vers l'islam, comme dans le hadith de Ali, où le messager d'Allah a dit que, yani, si Allah Azza wa Jalla guide une personne et que tu en sois la cause, c'est mieux que gagner des plus belles chamelles qu'il y a. Donc, si on a de la récompense, qu'on attire quelqu'un, surtout s'il est kafir, la même chose, on a aussi de grands, grands péchés si on fait fuir quelqu'un de l'islam, comme font les takfiriyons et les khawarij de Palestiniens et la clique, et Salah 19. Naam, tfadlal inshallah. Est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Non, posez la question, Inch'Allah. Et si elle est trop longue, coupez-la en morceaux, Inch'Allah. Est-ce que la question est prête, Inch'Allah? Sinon, on passe à la suivante.
Si elle n'est pas encore prête, on passe à la suivante et on reviendra inch'Allah sur votre question. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais je vous ouvre le PV, c'est certainement qu'elle est trop longue. Faites un copier-coller et envoyez-la moi en PV. Je vous ai ouvert le PV. Non, cher, c'est InSpeak, c'est juste après inch'Allah. Alors c'est bon, j'ai la question en PV, inch'Allah. Salamu alaykoum, ya cher. Je suis marié à un frère tablir. Je n'en connaissais pas la gravité au moment du mariage. Puis par la suite, j'ai découvert la da'wa salafia. De ce fait, je lui ai fait nasiha ainsi que des frères de son entourage pour qu'il quitte le tablir. Mais rien n'y fait. S'ajoute à cette bid'a un péché qu'il commet quotidiennement. Ces deux facteurs n'ont fait que nous éloigner l'un de l'autre depuis quelques mois. Entre parenthèses, il n'arrive plus à quitter ce péché depuis des mois. Puis dernièrement, il veut divorcer pour la raison qu'il n'a plus de sentiments et qu'étant donné que le péché qu'il commet quotidiennement lui prend tout son temps, il n'a plus le temps pour aller travailler et de ce fait, il n'arrive plus à assumer le foyer ni m'assumer. Donc actuellement, il veut me divorcer pour le manque de sentiments. Que lui conseillez-vous, Yachir? Et en ce qui concerne la période de viduité, dans le cas du divorce, il ne pourrait pas m'assumer, entre parenthèses, pas de travail ni de situation. Comment faire dans ce cas? Puis-je faire la période chez mes parents? Barakallahu fikoum ya cheikh, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Amin. Tfadal cheikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que, puisque cette personne dit, que lui conseillez-vous? Est-ce que, donc moi je vais poser une question. Ça veut dire, est-ce que lui il est en train de m'entendre? Ou bien que vous allez lui transmettre? Non, ou bien que vous allez lui transmettre? J'entends, Inch'Allah, votre réponse. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Il n'est pas là. Vous m'entendez, Muslim? Je vais transmettre, d'accord. Je dis d'abord, entre parenthèses, j'aurais aimé que ce soit lui qui entende, mais comment dire de la ghalb. Non, il faudrait qu'il sache que le minhaj qu'il suit dans le tablir, c'est un minhaj dévié, faux et d'innovation. Et que il n'y a jamais eu de tablir en ce sens en islam. Naam. Comme ça, il y a ni 40 jours et dire des invocations et des évocations. Naam, qui n'ont rien à voir avec l'islam et beaucoup, beaucoup d'innovations. Sans parler de ce qu'ils font dans les tombes et les tawassul qui sont pas permis, etc. Cette secte-là, naam, est pleine d'innovations. Et bien sûr, dans cette secte-là, on n'apprend pas l'islam. On n'apprend rien dans le dîn. On dit seulement Riyad Salihin. Et on a aussi un autre livre qui s'appelle Nisab Tabliri, ou le Tablir Nisabi. Ça s'arrête là. Non. On n'apprend rien, ni dans l'Aqida, ni dans la Sharia, ni dans rien, rien, rien. Non. On est tout le temps en train de piétiner sur le bon comportement. Et l'islam, c'est le bon comportement et faire la dawa. On fait la dawa avec quoi? On n'a pas de ilm, on n'a pas de science. Comment je peux faire la dawa? Un jahel peut-il faire la dawa? Est-ce qu'un jahel peut faire la dawa? Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوا لَنَا. Dites, est-ce que vous avez de la science? Alors faites-nous la sortir. En islam, on ne peut pas dire je suis savant alors que je n'ai rien dans la tête. Si je suis savant, je dois la faire sortir. Je dois avoir des élèves, je dois avoir des cassettes, je dois avoir des livres, je dois avoir des débats, je dois. Non. Si vous avez de la science, alors faites-la sortir, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Al-Muhim. C'est pas la peine de perdre le temps, donc, de dire que les tablirions, il faut qu'ils reviennent vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils changent de minhaj et reviennent vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai minhaj, minhaj salaf, radiyallahu ta'ala anhum. Maintenant, si jamais il venait à divorcer, si jamais il venait à divorcer, et que ce soit lui qui veuille divorcer, et qu'il n'y a pas moyen de passer la période de viduité chez lui, on est obligé de la passer chez ses parents. Non, s'il n'y a pas, il n'a pas comment
pour garder la femme dans sa maison. Il n'a pas comment payer le loyer, il n'a pas ceci, il n'a pas où. Dans ce cas, elle ne va pas passer la période de viduité dans un hôtel. Elle va la passer chez ses parents, si elle a des parents, bi'idhnillahi azza wa jal. Et si la divorce, bien sûr, la période de viduité est de 3, quoi? Est de 3 menstrues. 3 menstrues, ensuite, quand elle se purifie, elle prend sa douche, elle est devenue quoi? Elle est devenue, bi'idhnillahi azza wa jal, mariable. Sauf si bien sûr, c'est elle qui décide, elle lui dit, je te rends la dot et on fait le foulard. Ah. Si c'est comme ça devient seulement une menstrue. La sœur demande que lui conseillez-vous, surtout pour le divorce à ce frère. Je n'ai pas compris. Je conseille à qui? Au frère ou bien je conseille à la sœur? Est-ce que c'est vraiment valable les sentiments? Non. Si en islam, l'homme est arrivé à un point où il a détesté sa femme, ou bien la femme est arrivée à un point où elle a détesté son mari. Classe, elle a vu faire beaucoup de choses, beaucoup de défauts, beaucoup d'innovations, beaucoup. Au point où elle a détesté, il est permis dans ce cas de demander la séparation ou de divorcer si c'est un homme. Non. Et le hadith, vous connaissez de la femme qui est allée au messager d'Allah qui a dit, je n'ai rien à reprocher à mon mari, sauf que j'ai peur de quoi? J'ai peur du kufr dans l'islam, c'est-à-dire, je le déteste maintenant, à cause bien sûr de son physique, et que j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Et le messager d'Allah a demandé qu'il lui rende la dot et qu'il se sépare. Il est possible en islam que l'homme déteste sa femme, ou bien que la femme déteste son homme, son mari, mais bien sûr, ils doivent d'abord faire des doigts et demander à Allah Azzawajal de faire descendre la sérénité dans le cœur, la quiétude, l'amour, car Allah Ta'ala fait descendre l'amour dans les cœurs. Si jamais ça ne marche pas au point de on ne peut plus lui donner des droits, dans ce cas, la séparation c'est le moindre mal. Bi'idhnillahi Azzawajal. Soit dans l'inchallah suivant. Donc là on est sur InSpeak. Si vous pouvez enlever le raid d'Anil Hakam, cher, sur InSpeak, Inch'Allah. D'Anil Hakam, posez la question, Inch'Allah. Et tapez 1 lorsque la question est terminée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Cher, avec une personne, on a écouté un dars où vous parliez des Khawarij. Pourriez-vous nous dire qui sont les Khawarij d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Et qui en sont les leaders actuels? Est-ce que vous pouvez dire de Al-Wala wal-Bara? Barakallahu fik ya Cheikh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, les Khawarij, ce sont des gens qui se rebellent contre le gouvernement musulman. Contre le gouvernement musulman. Le premier Khariji, Naam, c'était, comme tout le monde le sait, Dhul Khuwaysera, au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un s'est déjà révolté contre le messager d'Allah, alayhi wa sallam, et l'a accusé. Il l'a accusé qu'il était injuste, il était impartial, parce que le messager d'Allah venait de disperser quelque chose qu'il avait reçu d'or. Ali ibn Abi Talib lui avait envoyé de l'or d'un autre pays, après avoir conquis ce pays. Donc, quand il a commencé à donner cet or un peu à celui-là, un peu à celui-là, un peu à celui-là, il y a quelqu'un qui a dit à Rasulullah que n'a pas été juste et légal. Allah al-Musta'an, subhanallah, le messager d'Allah, on lui dit, tu es juste, tu n'es pas juste, tu n'es pas équitable. Subhanallah al-Azim, que Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Bien sûr, le messager d'Allah lui a dit, donc si moi je suis injuste, qui serait juste? Ensuite, l'autre, quand il est parti, bien sûr, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, disons, de la descendance de celui-là, vont venir des gens, et il les a cités, il a donné leur description, des gens qui vont lire le Coran, qui ne va pas dépasser leur gosier. C'est-à-dire, c'est juste, ils ont une belle lecture, une belle récitation. Mais le Coran ne dépasse pas les gosiers, il ne descend pas jusqu'au cœur. Le Coran, il doit être dans le cœur, pas dans la bouche. Et il a dit, ils feront yani la salat au point où, quand vous les verrez, vous allez dire, moi, je fais pas la prière, tellement ils font la prière.
longue, la longue prière, beaucoup de jeûnes et comme ça. Mais il a dit, ils sortiront de l'islam comme sort la lance de comment on dit ça en français, de l'animal sur lequel, par exemple, on jette la lance, du gibier. Non, il a dit, ils sortiront de l'islam et n'y reviendront pas. Ensuite, bien sûr, de cet homme-là, c'est venu la descendance qui ont fait quoi? Qui ont tué qui? Qui ont tué Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Qui l'a tué? Ce sont les Khawarij. Le grand chef était venu d'Égypte. Subhanallah al-Azim. Naam, Bishr al-Kinani ou quelque chose comme ça. Ensuite, ils ont fait la guerre à qui? Ils ont fait la guerre à Ali ibn Abi Talib. Ils lui ont dit, tu es kafir. Ils ont dit à Muawiyah, radiallahu ta'ala, tu es kafir. Et, comme a dit le messager d'Allah, ces gens-là vont rester jusqu'à ce que vienne le Messie Dajjal, l'Antéchrist. Donc, Salah 19 et sa clique vont rester, leurs enfants, jusqu'à quand? Jusqu'à vienne le Messie Dajjal, l'Antéchrist, et il a dit à Ali sallallahu alayhi wa sallam, ils seront dans ses rangs. Allahu Akbar. Ils ne viendront pas avec les musulmans. Ils viendront du côté de l'Antéchrist. A'oudou billah, ils seront avec le Messie Dajjal. Pourquoi? Parce que tous les Khawarij, c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal, mourront dans l'innovation, si ce n'est pas dans le coffre. Tout Khawariji mourra, ou bien dans du gouvernement. Pour eux, tous les gouvernants qui existent maintenant sur terre, tous les musulmans sont des kofars. Il n'y a aucun endroit, d'après eux, bien sûr, et d'après eux et leur shaitan, il n'y a aucun endroit où il y a l'islam. C'est-à-dire que, ni en Arabie Saoudite, ni en Algérie, ni au Maroc, ce sont tous ceux-là des kofars, parce qu'ils n'appliquent pas la charia. Pourquoi? Parce que pour eux, la charia, c'est couper la main et la plider. C'est tout. Non, ils ne savent pas que la charia, c'est beaucoup plus vaste que cela. C'est pour ça que eux-mêmes, donc eux-mêmes n'appliquent pas l'islam. Donc eux-mêmes n'appliquent pas la charia. Donc eux-mêmes, le kofr risque de tomber sur eux. Eux-mêmes, ils risquent de tomber kofar. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas appliqué la charia. Et Allah Ta'ala dit, quiconque ne l'applique pas, il est devenu kafir. Et eux-mêmes, ils ne l'ont pas appliqué. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc de nos jours, ce sont qui? Ce sont tous ceux qui disent que, quoi? Que tous les gouvernants musulmans sont des kofars. Et qu'il n'y a aucune terre d'islam. Il n'y a aucune terre d'islam. C'est pour ça que Salah 19 et la clique disent que il est permis de rester dans Bilad al-Kofr. Il te dit, où est-ce que tu vas? En Algérie, c'est kofr. Tu vas en Arabie Saoudite, c'est kofr. Reste comme il dit lui. Reste dans un pays de kofr et cambriole. Cambriole les banques. Il faut cambrioler les banques, comme dit Salah 19. Que Allah Ta'ala nous préserve ce shaitan. Il dit, il faut cambrioler les banques. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'était bien de cambrioler les banques. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un, attendez, c'est pas Sa'd ibn Abi Waqqas, non, c'est Mughira ibn Shu'ba, radiallahu ta'ala anhu, quand il est venu, hadith, il est dans le Bukhari. Faites la différence entre ce que dit Salah 19 et ce que dit le messager d'Allah. Quand Mughira est allé au messager d'Allah, il lui a dit, voilà, je suis venu avec un sachet d'argent pour attester mon islam. Un sachet d'argent que j'ai pris des kuffars. C'est-à-dire, j'ai pris à tort, ce n'est pas mon bien. Et je suis venu attester mon islam. Qu'a dit le messager d'Allah? Quant à l'islam, on l'accepte. Quant à l'argent, non. Allahu Akbar. J'accepte pas l'argent qui a été volé aux gens et qui a été pris à tort. Allahu Akbar. Salah 19, il dit non, on accepte l'argent des kuffars, mieux on les vole, on va les voler, et on va les cambrioler. Le messager d'Allah dit, j'accepte pas, hadith dans le Bukhari. Lisez ça dans le Bukhari, j'accepte pas, j'accepte ton islam, mais j'accepte pas l'argent venu des kuffars. Salah 19 dit, je ne vous demande pas de voler des paquets de bonbons à Carrefour, mais celui qui peut braquer une banque ou un Brinks d'un état méfiant qu'il le fasse. Allahu Akbar, subhanallah, ni'ma al-wakil. Voilà, tu demandais c'est qui les Khariji. Ce sont ceux-là. Mais celui-là, bien sûr, c'est un petit virus, un petit minus. Non, leurs grands chefs sont connus, les grands chefs.
de nos jours. Naam, ils disent qu'il faut se rébeller contre les gouvernants musulmans, comme le dit Ben Laden. Que Allah Azzawajal nous préserve de cette secte. Naam. Tfadl, inshallah, Il demande la fin de la réponse, Inch'Allah. Tfadl, Cheikh. Naam. La fin de la question, je l'avais oublié. Ensuite, le frère parle de ce qu'on appelle l'ouala ou le bara. Naam, l'ouala ou le bara en islam, c'est quoi? C'est se désavouer, naam, se désavouer de tous ceux qui sont mécréants, naam, et font la mécréance. Et on se désavoue aussi de quoi? De ceux qui font les innovations et les innovateurs. Mais comme vous devez le savoir, la mécréance, il y a deux sortes, la grande et la petite. Et les innovations, il y a aussi le haqiqi, il y a la vraie, et il y a l'édafiya. Il y a l'innovation à quoi annexer, bien sûr. Et dans tout cela, il y a quoi? Il y a beaucoup de détails. Naam. Ceux qui disent qu'on se désavoue des kofars, etc., bien sûr. On se désavoue d'abord comment? On se désavoue avec le cœur. Naam, avec le cœur. Je n'aime pas le kafir. Pourquoi? Parce que il est contre mon dîn. Mais cela n'empêche pas que Allah Ta'ala, Allah Azzawajal, qui m'a demandé de ne pas aimer le kafir, m'a demandé Azzawajal d'être juste et équitable avec lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran: La yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Que font les takfiriyun et les khawarij de ce verset? Un verset clair qui dit qu'Allah Azza wa Jal ne t'interdit pas. Allah Azza wa Jal ne t'interdit pas que tu te comportes bien avec un kafir, si quoi? S'il ne te fait pas la guerre. C'est pour ça que les savants font la différence entre le kafir en général, je l'aime pas. En général. Mais il y a kafir et kafir. Il y a kafir qui me fait la guerre, et il y a kafir qui ne me fait pas la guerre. Il y a une grande différence entre celui qui me fait la guerre, qui me tue mes enfants et tue ma communauté, et le kafir qui est en face de moi, qui voudrait apprendre l'islam et qui, même quand je suis en panne, il veut m'aider. Il y a une grande différence entre ces deux-là. Subhanallah, seul quelqu'un qui a perdu la raison, qui dit qu'il n'y a pas de différence. C'est pour ça que Allah Ta'ala lui-même fait la différence entre les kuffars en enfer. D'ailleurs, l'oncle du messager d'Allah Azzawajal, qui est un kafir, ne sera pas dans le même châtiment en enfer que Abu Jahl et Abu Lahab. Naam. Les trois sont nés des kuffars, mais l'oncle du messager d'Allah ne sera pas comme sera l'autre, c'est-à-dire Abu Jahl et Abu Lahab. Pourquoi? Parce que l'oncle du messager d'Allah, tout en étant kafir, a aidé son petit-fils, là, comment qu'il s'appelle. Il l'a aidé, naam. Il a éloigné de lui beaucoup de fois. On a essayé de le tuer, on a essayé de le frapper. Naam, le juste fait la différence entre les kofars. Celui-là, c'est un kafir, mais il a aidé. Il n'a pas pris des armes contre les musulmans, comme a fait Abu Jahl et Abu Lahab. C'est pour ça que celui qui ne fait pas la différence entre les deux, et qui dit que tous les kuffars sont la même chose, naam. Et il y a un cours de Cheikh Mohsin Al-Abed, où il divise les mécréants en cinq catégories. Naam, les mécréants, ils se divisent en harbi, celui qui fait la guerre. On se divise les gens du livre, celui qui le mu'ahad. Et il y a Dhimmi, celui qui vit avec nous, il paye de l'argent, il est sous l'État islamique. Et il y a celui qui, yani, il rentre dans notre pays, mu'ahad, parce qu'il est venu voir quelqu'un, ou là, il est venu, par exemple, se soigner, ou là, même. Tout cela, si jamais quelqu'un tue l'un de ceux-là, il ne sentira pas l'odeur du paradis, comme a dit le messager d'Allah. Mais les khawarij et les takfiriyoun ne savent pas cela. Pour eux, tout kafir est kafir. Naam, il te dit, il n'y a pas de différence pour moi entre un prêtre, par exemple, qui est chrétien, et
un juif qui me fait la guerre. Non, il te dit, ou là, un mati qui me fait la guerre. Il te dit, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Bien sûr, tout ça, c'est l'ignorance, c'est le djel. C'est la grande, grande ignorance. Ce sont des montagnes d'ignorance. Des montagnes de quoi? D'ignorance, de ténèbres et d'obscurité. Imaginez-moi, moi, imaginez que je m'asseye maintenant et que je commence à parler dans quoi? Que je commence à parler dans la médecine. Imaginez. Je ne connais rien en médecine. Tout juste, si quelqu'un a mal à la tête, je lui dis achète de l'aspirine. Tout juste. Parce que j'ai entendu ça des milliers de fois. Non, imaginez que je m'asseye et que je commence à donner des cours. Salam, wa alaykoum salam. Voilà, quiconque qui sent qu'il a un mal au cœur, alors qu'il aille boire 3 litres de je ne sais pas quoi, d'eau de Javel, il ajoute un peu d'huile d'olive, et je commence à dire n'importe quoi. Naam, subhanallah, imaginez ce que ça va donner. C'est la même chose ce que fait Salah et la clique. Ils s'assoient, ils n'ont jamais ouvert un livre de religion, ni connaissent ce que ça veut dire Sahih Bukhari ou la Sahih Muslim. Et ils disent, Allah a dit, le messager a dit, Allah a dit, le messager, mais ils sont très rusés. Vous savez pourquoi ils sont très rusés? Ils ne parlent jamais de fiqh ou bien de aqida. Non, ils parlent seulement de quelque chose qu'ils appellent tarout. Ils te disent tarout. Toi, tu es contre le tarout. Tu n'es pas contre. Allah Akbar, tu es kafir. Allez, sors de la salle. Sors du salon. Tu es un shaitan. Direct. C'est moi le musulman. C'est moi qui vais être avec le messager d'Allah. C'est moi qui vais être avec les martyrs. Toi, il faut sortir du salon. Tu es devenu kafir. Parce que quoi? Tu as dit que Bouteflika est musulman. Ça, tu es kafir. Et voilà, Mesekine, les gens qui ne savent pas, surtout les jeunes convertis qui rentrent dans leur salon, Mesekine, ils sont là, ils disent, Subhanallah, celui-là, c'est sûrement un grand savant. Ah, celui-là, c'est sûrement un grand savant. D'ailleurs, il a dit que X est kafir. Et même, Subhanallah, il a l'audace. Il dit que l'Albani, c'est un kafir. Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est un kafir. Allahu Akbar. Donc celui-là, il est sûrement plus savant que Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est sûr. Moi, je suis nouveau dans le Tasawuf. Je ne connais pas cette personne. Mais sûrement, je vais demander, on va me dire qu'il est plus savant que Cheikh Ibn Uthaymeen et que Cheikh Ibn Baz. Sûrement que cette personne-là, elle doit avoir des livres partout. Elle doit avoir écrit des millions de livres. Et elle a des millions de cassettes. C'est un grand savant celui-là. Bien sûr, il ne sait pas. Jusqu'au jour où on va rencontrer Allah Azza wa Jal et vous allez voir Allah Azza wa Jal nous montrera ce jour-là comment qu'il fera de ceux-là des égarés, égareurs. Ce sont des égarés, égareurs. Naam, des égarés. S'ils étaient seulement égarés, on dirait qaddallahu ma sha'a. Mais égareurs, c'est-à-dire ils égarent les gens, ils ne les laissent pas. Il ne les laisse pas apprendre la vraie religion. Il ne les laisse pas adorer Allah Ta'ala. Il ne les laisse pas être dans le minhaj. Il leur met des entraves. Il les dévie. Il leur jette des ambiguïtés. Naam. Et comme ça. Naam. Inch'Allah Ta'ala, j'arrête ici. Bidna Azza wa Jal, il est 23 heures et quelques. Des gens me disent qu'il y a une cassette qui est sortie contre moi d'un certain takfiri. Il parle de moi où j'ai dit quelque chose. Qui dit je me suis trompé, je sais pas quoi. Moi j'ai dit que j'avais pas quoi le temps d'écouter ce qu'il a dit. Je n'ai même pas le temps d'écouter. Qu'en est-il pour répondre? Mais puisque beaucoup de gens m'ont poussé, naam, je vous promets que quand j'aurai du temps, je dis quand j'aurai, je suis malade, j'ai pas le temps d'entendre. Quand j'aurai le temps, je ferai une réplique à ce takfiri. Je ferai une réplique à ce takfiri pour lui montrer que tout ce qu'il a dit, naam, ce n'est que quoi? Ce n'est que yani, du mensonge et c'est que ce n'est que de l'ignorance bidna azza wa jal. Naam. Je vous laisse inshallah ta'ala d'ici mercredi. Je dis subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne rendez-vous samedi inshallah ta'ala. Assalamu alaykum.